Bonjour à tous. Voilà, cette petite vidéo juste pour vous dire que je ne comprends pas qu'il y ait autant d'abrutis au mètre carré encore en France. Bah, j'ai essayé, hein, je me suis battue contre moi-même pour ne faire montrer que des belles choses et des belles images et des choses positives et tout ce qui s'ensuit. Alors, même si mon cœur est dans la lumière, dans l'amour et dans le partage, je suis désolée, il faut quand même reconnaître que malgré tout ce qui sort en ce moment, toutes les vérités qu'on nous montre, tout ce qui est dit, tout ce qui a été caché jusqu'à maintenant et qui sort, et que les gens soient encore dubitatifs, qu'ils se demandent encore, est-ce que c'est vrai ou pas? Ah ouais? Ah mais non? Ah mais moi j'attends... Le vaccin, bah, qui ne sert à rien, mais j'attends le vaccin quand même. Hein. Ah ouais, ça va me protéger. Ouais, ça va me protéger. Pas du tout, mais ça va me protéger. Qui attend de... les masques avec impatience. Ah bah ouais, les masques. Ah ouais, non, il nous faut des masques. Alors, pardon, hein, mais entre le gouvernement qui nous dit que de toute façon, les masques sont inutiles, juste parce qu'ils n'en ont pas, qui nous dit que finalement les masques c'est bien mais on ne sait pas les mettre. Non, je ne sais, on ne sait pas les mettre. Il faut faire bac plus 5 pour pouvoir mettre un masque. Ouais, c'est terrible. Après on veut les faire mettre à nos enfants alors que nous-mêmes on n'est pas capable de les mettre. C'est affolant. En plus, ils ne servent à rien. Bah, non, ils ne servent à rien parce que ce qu'ils nous donnent, si c'est si important que ça, ce qu'ils nous donnent, c'est juste des masques jetables qui ne servent à rien. Donc, il est où l'intérêt du masque? Voilà. Nous avons donc notre cher téléphone portable qui nous suit partout, hein, et qui nous espionne de par la même occasion. Nous avons en plus cette application du Covid-19. Ah ouais, cette application, elle est top, cette application. Ah, pour nous surveiller, hein, il n'y a pas trouvé mieux. Et puis, mais ceux qui n'ont pas de téléphone, parce qu'il y a encore des gens qui refusent le téléphone, et ce que je comprends, et que je suis tout à fait d'accord avec eux, eh bien, il y a les drones. Ah oui, il y a les drones pour les surveiller. Faudrait quand même pas commencer à désobéir... hein, un gouvernement qui ne sait pas où il en est, au final, hein, et qui nous met tous dans la mouise. Moi, j'ai envie de dire que le gouvernement sait très bien où il en est, ouais, et qu'il cherche juste à savoir comment nous, on va réagir. Et alors, du coup, il nous met dans l'expectative du oui ou non pour le 11 mai, ou oui ou non pour le mois de juillet, ou est-ce qu'on est sage? Est-ce que vous êtes sage? Est-ce que tu es sage? Je ne suis pas moi, du tout. Et puis, j'en ai rien à foutre. Et voilà. Donc, je ne comprends pas que les gens soient encore en train de se poser des questions sur ce qui se passe en ce moment. Punaise, vous avez tout à votre portée. Vous avez Internet qui vous dit les vérités. Vous avez les YouTubeurs qui vous disent les vérités. Vous avez des... journalistes sur YouTube qui vous disent la vérité, hein, qui risquent même de se faire virer de YouTube tellement ils disent la vérité. Et non, bah non, pour vous c'est des fakes, c'est des bêtises, bah ouais. Bah, je suis désolée de vous le dire, mais il n'y a pas plus grand fake que notre gouvernement et les actualités qui nous propagent. Voilà, alors si vous n'avez pas encore compris que... le gouvernement est en train de vous mener en bateau, que le gouvernement est en train de faire en sorte de tout mettre en place pour que vous restiez bien dans les cases, pour que vous ne vous battiez pas et pour que vous soyez très, 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 très obéissant. Ben, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Alors, soit vous êtes complètement idiot, soit vous êtes complètement stupide, ou les deux à la fois. Hein, voilà. Moi, je suis désolée. Mais comme je vous disais au début, J'ai essayé de ne poster que des belles choses. Sauf que moi, alors je ne veux pas dire je suis meilleure que tout le monde, c'est pas vrai, je suis qu'une puce parmi tant d'autres, hein, une cellule parmi tant d'autres. Mon cœur, lui, c'est un cœur de guerrier. Guerrier pacifiste, certes, mais de guerrier quand même. Je ne peux pas ne pas
arriver derrière l'autruche, la pousser, hein, de façon à ce qu'elle enlève sa tête du sable et qu'elle voie enfin ce qui se passe. Voilà. Moi, mon but, c'est ça. Voilà. Et toutes les autruches qui ont encore gardé la tête dans le sable, hein, eh ben, pardonnez-moi, mais je viendrai derrière vous et je vous enlèverai la tête du sable. Alors après, à vous de voir si vous voulez ou pas voir la vérité, si vous voulez ou pas adhérer. Hein, mais en tout cas, moi, après, je me sentirai libre parce que j'ai fait ce que mon cœur me disait. Et mon cœur, il me dit, ma vieille, t'es sur terre, hein, il faut peut-être que tu commences à faire ton boulot. Mon boulot, c'est de dénoncer, enfin, de dénoncer parce qu'il y en a d'autres qui le font, mais à mon niveau, de montrer ce qui se passe. Voilà. Alors, Macron et la Chine ont passé un contrat. Hein. La Chine envoie des masques à Macron et Macron, lui, en contrepartie, accorde à Huawei le droit de poser des antennes 5G partout en France. Voilà, vous avez compris, hein, la 5G. Et non content la 5G, mais ils prévoient déjà la 6G. Ah ouais. Et ça, la 5G ne suffit pas, donc ils prévoient aussi la 6G. Je ne sais pas si vous avez remarqué, confinement ou pas, hein, mais ça lag de plus en plus. Hein, ça lag de plus en plus. Alors, ce n'est pas qu'on n'a pas assez de... c'est pas qu'il y a trop de monde sur Internet, hein. Non, c'est pas ça. Parce que tout le monde n'est pas H24 sur Internet, parce qu'il y a quand même des pays dans le monde, pour information, il y a quand même des pays dans le monde qui n'ont absolument pas Internet. Donc, et il y a ceux qui sont sur Internet maintenant, mais qui y étaient déjà avant. Bon, c'est vrai, avant ils travaillaient, là ils sont à la maison, donc ils ont plus de... Néanmoins, ce qui se passe, c'est qu'ils ralentissent le réseau. Ils ralentissent le réseau de façon à vous dire « Putain, merde, ça lag, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais attendez, il y a la 5G et avec la 5G, ça ira plus vite. Ah bah voilà la solution, ça ira plus vite avec la 5G, mais c'est génial. Alors qu'est-ce qu'on attend pour la mettre, la 5G? Eh ben non. Ah bah, comme les antennes de la 5G sont en train de se casser la gueule parce que les gens se révoltent, sachant exactement ce que cache cette antenne, ah bah du coup, on passe à la 6. Eh ouais, bah la 6 est déjà en route. Voilà. Et puis, je pense que la 7 doit pas être loin non plus d'être préparée. Hein? Ah, je comprends pas. Allez vous renseigner. Les gens, ils vous disent ce qui se passe. Les gens, ils sont au courant. Les gens, ils vont s'informer. Si vous, vous ne voulez pas vous informer, si vous ne voulez pas passer votre temps à aller chercher, eh bien, écoutez ceux qui le font à votre place. Écoutez ceux qui sont là pour vous dire, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Hein? Maintenant, vous recevez une amende, un PV, si vous voulez, si vous mettez à votre balcon quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, vous n'avez même plus le droit de mettre... Alors, pour la Coupe du Monde, vous pouvez mettre un drapeau. Ah, ben ça, personne ne vous dira, c'est interdit. Par contre, si vous mettez une banderole en disant, j'en ai marre, ras-le-bol, là, PV. C'est quand même hallucinant. Et après, vous ne croyez pas qu'on est en train de nous mettre en prison, hein? On n'est pas surveillés, on n'est pas des esclaves. Non, mais tout va bien, vous avez raison. Mais, quand j'ai dit qu'il y a des abrutis au mètre carré, un nombre d'abrutis au mètre carré, je ne sais pas, mais ce n'est pas un jugement. C'est juste un constat. C'est un constat. Je ne juge pas, moi. Je ne juge pas. Je constate. Comme je vous l'ai dit, je constate, j'observe. Et je réalise que les gens ne veulent pas ouvrir les yeux. Ils ne veulent pas ouvrir les yeux, ils veulent rester aveugles, ils veulent rien savoir. Parce que quand je vois le nombre de personnes encore qui attendent que le gouvernement leur trouve une solution à leurs problèmes, alors que c'est à eux-mêmes de régler leurs problèmes. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement, il aille vous régler vos problèmes? Des problèmes qu'eux-mêmes ont créés? Est-ce que vous croyez qu'ils vont vous aider à les régler? Mais vous êtes pire que tout si vous croyez encore ça. Vous êtes pire que tout. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors on va me dire, ouais, mais t'inquiète Maria, de toute façon, les gens ouvriront bien les yeux quand ils le voudront, quand ils le souhaiteront. Et à chacun,
à chacun de voir comment il peut. On ne peut pas tirer sur une pétale pour faire grandir la fleur, et etc., etc., etc. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Hein. Chacun son libre arbitre. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Ok, pas de souci là-dessus. Sauf que j'ai des cheveux dans la bouche, c'est gênant. Sauf que si les personnes mettent sciemment la tête dans le sable, moi, je me dois de les pousser. Voilà, les pousser et leur faire sortir la tête du sable. Après, libre à eux de choisir. Ils choisissent. Est-ce qu'ils veulent rester des moutons qui vont droit vers le mur? Ou est-ce que finalement, ils commencent à regarder et qu'ils se disent, ben là, finalement, mais c'est pas ça que je veux, moi. C'est pas ça que je veux pour mes enfants. C'est pas ça que je veux laisser en héritage quand je vais quitter cette terre. Enfin, quand mon âme quittera cette terre. C'est pas ça que je veux. Non, moi, je veux laisser quelque chose de bien. Je veux que mes enfants soient dans un monde meilleur que celui auquel j'ai appartenu et pour lequel j'étais là. Non, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? On est là, on est réincarné sur Terre pour changer ce monde. Alors, si personne ne fait rien, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi est-ce qu'on est venu s'incarner aujourd'hui, ici et maintenant? Pourquoi? Si ce n'est pour faire bouger les choses. Sauf que si personne ne fait rien, bah, ça ne bougera pas. Alors non, je ne vous demande pas de partir avec un fusil ou avec tout ce que vous voulez pour aller vous battre contre ce système. Non, je vous demande de faire les choses en douceur, avec amour, avec justesse. Gardez les yeux ouverts, observez et arrêtez d'accepter n'importe quoi. Arrêtez. Faites de la désobéissance. C'est le moment. C'est le moment si vous voulez que les choses arrivent. Arrêtez de croire que vous avez un gouvernement qui est là pour vous sauver. C'est pas vrai. Puisque c'est lui qui vous a mis dans la merde, pourquoi voulez-vous qu'il vous sauve? Hein? C'est là que je vous dis que la bêtise est incommensurable. Les gens attendent après le gouvernement qui leur trouve une solution. Alors que dans la merde où ils sont, c'est quand même le gouvernement qui les a mis. Et je comprends pas cette façon de faire. Et ils sont là, ouais, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Mais aidez-nous à quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Il ne veut rien faire. Il ne veut rien faire. Il vous laisse là, vous voyez, là, pendant le confinement, et vous laisse la décision. Ouais, il vous laisse la décision. C'est à vous de trouver la solution. Bah, faites-le. Trouver une solution. Une solution qui vous convient. Pas qui convient au gouvernement, mais une solution qui vous convient. Une solution qui est bonne pour vous. Une solution qui parle à votre cœur et à votre âme. On s'en fout du gouvernement. On s'en fout. Il est hypocrite. Il est menteur. Il nous mène en bateau depuis le début. Et vous, vous leur donnez encore, vous leur faites encore confiance. Pardon, hein. Une fleur, c'est une fleur. Un arbre, c'est un arbre. Une rose, c'est une rose. Un abruti est un abruti. Voilà. Et aucun jugement, c'est juste un constat. Voilà. Alors, si vous continuez à faire confiance à un gouvernement qui vous mène depuis des années, des années, des années par le bout du nez, et que ça vous convient, et que vous continuez à lui dire bravo, 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 heureusement que vous êtes là pour nous sauver, oh là là, mais heureusement que vous êtes là, ah oui, mais nous, on vous fait confiance, hein, on vous fait confiance, hein. Et ouais, on sait que les masques, ils servent à rien, mais on les attend avec impatience, on sait aussi que le vaccin, il sert à rien, mais on l'attend avec impatience, on sait qu'on est espionné, mais qu'est-ce qu'on aime ça, être espionné, savoir où on va tout le temps, savoir où on est, savoir ce qu'on fait, mais c'est génial, parce qu'on se sent en sécurité, quelle sécurité, oh, ben, comme ça, il nous arrivera rien, ben non, il nous arrivera rien, ben non. Voilà. Et on sait aussi qu'il y a un médicament, mais on est d'accord avec vous. Hein. Non, il n'y a pas assez de recul pour savoir s'il fonctionne vraiment. Hein. Or, ça, même s'il a sauvé des vies, hein, c'est,
Oh, c'est du hasard, hein, c'est un coup de bol, c'est de la chance. Il a soigné des vies, mais c'est juste un coup de bol, c'est de la chance. Oh les gars, oh, on se réveille ou on continue à dormir jusqu'à la fin des temps, hein? On se réveille ou vous dormez jusqu'à votre mort, hein? Parce que virus ou pas, un jour ou l'autre, on va tous y passer, hein? D'une façon ou d'une autre, hein? Faut être réaliste, hein? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Putain, dites-le moi! Je sais pas. Alors, moi, je suis dans l'amour. Je suis dans le partage. Je suis dans, comment vous dire, je pense à moi, je pense à ma famille, je pense à notre bien-être. Et je pense au bien-être des autres aussi. Et pour penser au bien-être des autres, ben, je partage. Et je partage, et je partage, et je partage, jusqu'à ce qu'un maximum de gens sur ma page, rien que sur ma page, me disent « Ok, c'est bon, on arrête les frais. » Ah non, parce que ce n'est pas le cas encore. Hein? Non. Parce que je sais très bien que... Il y en a, ils veulent que ça redevienne comme avant. Ah ouais, on était bien hein, avant. Hein. Ouais. Ils n'ont rien compris à l'histoire, mais on était bien avant. Là, on nous donne la chance de changer, de faire tout ce qu'il faut pour que ça change, pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on prenne nos propres décisions. Hein? Ah, ben ça ne sera pas facile. Hein. Ah, ça ne sera pas facile. Mais rien n'est facile. De toute façon, déjà la vie avant n'était pas facile. Hein. Donc forcément, l'après, ça ne sera pas facile non plus. Mais c'est le moment de changer, les gars. C'est le moment de faire quelque chose. C'est le moment. Vous ne voyez pas toutes les pétitions qu'il y a en ce moment contre le gouvernement, contre les vaccins, contre tout. Vous ne voyez pas ce cher Bill, là, qui est en train de se casser la gueule malgré tous ces millions là les pays sur lesquels il a fait et qu'il a vacciné des enfants et qui sont morts par dizaines de milliers les pays bah, ces pays là ils ont dit Bill dehors hein. Tes vaccins, on n'en veut pas. Bill, dehors. Alors, si ces gens-là, hein, qui sont soi-disant pas civilisés, hein, ils ont compris que c'était une vaste fumisterie et que les vaccins ne sont là que pour faire du mal, hein, parce que je vous ai mis aussi sur le site... Je ne vais pas le mettre sous la vidéo. Je ne vous mets plus de lien sous la vidéo parce qu'à chaque fois que je vous mets un lien sous la vidéo est bloquée. Donc, je ne vous mets plus de lien. Vous irez chercher si vous êtes curieux. Si vous avez envie de changer, si vous avez vraiment envie de savoir, hein, vous irez chercher. Vous ferez comme moi, vous irez chercher. Moi, je vous dis juste que c'est une vaste fumisterie, que la vie est vraiment un jeu, hein, et que c'est les plus futés qui s'en sortiront. Alors, si vous voulez faire partie de ceux qui s'en sortent, ben, ouvrez les yeux, regardez, cherchez, faites vos propres recherches. Ah, me croyez pas, moi, hein? Non, me croyez pas. De toute façon, il n'y a pas de raison. Hein? Mais faites vos propres recherches, vous verrez. Ça explose en ce moment. Ça explose. Les vérités, elles sortent de partout. De partout. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Il y en a beaucoup, je suis contente, hein. Je suis vraiment, 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 vraiment très contente parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui se réveillent, il y en a beaucoup qui ouvrent les yeux, il y en a beaucoup qui avant disaient « ouais, c'est comme ça, on ne peut rien y changer » et qui aujourd'hui disent « oui, on peut changer, on peut faire quelque chose, on peut aller de l'avant et on fera tout pour aller de l'avant ». Il y en a qui ont même déjà commencé pendant le déconfinement et là, chapeau. Ah, je vais retirer mon chapeau. Mais les autres, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Bah, le jour où le gouvernement va se casser la gueule, vous tomberez avec lui. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Parce que là, c'est bien parti. Hein. Avec toutes les casseroles qu'ils ont au cul, là, le déconfinement, il risque d'être mollo. Enfin, de ne pas être mollo, mais d'être plutôt costaud. Voilà. Et non, c'est pas grave. Non, on veut la vie d'avant. Nous, on veut la vie d'avant. Voilà. C'était tellement bien la vie d'avant, quoi.
Christelle, où va-t-on? Où va-t-on? Eh bien, moi, je vous dirais, on va là où on doit aller. C'est-à-dire vers un monde meilleur, si vous y mettez du vôtre. C'est-à-dire vers un monde où il n'y aura pas d'esclavage, si vous y mettez du vôtre. C'est-à-dire vers un monde meilleur pour nos enfants, si vous y mettez du vôtre. Ben, si vous ne voulez pas y mettre du vôtre, vous n'y mettez pas. Hein, vous avez votre libre arbitre, à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, en attendant, j'ai décidé, quitte à passer pour une rebelle, quitte à passer pour une marginale, quitte à passer pour tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, une anticonformiste, peu importe, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux ma liberté de penser, d'agir et de faire. Voilà. Et vous avez le droit de ne pas agir, de penser, de faire. Mais alors, à ce moment-là, venez pas critiquer, venez pas vous plaindre, parce que vous avez toute la possibilité pour faire ce que vous voulez, ce que vous devez faire, ce que votre cœur vous dit. Eh ouais. Mais si vous ne le faites pas, alors ne vous plaignez pas. Restez dans votre coin. Restez bien au chaud. Surtout, restez bien confinés. Ouais, c'est bien d'être confiné. Hein? Comme ça, bah le gouvernement aura tout le temps, tout le loisir de changer les chiffres du confinement. Hein? Alors peut-être que, à cause ou grâce à certains, bah, le confinement aura lieu ou pas le 11. Mais moi, je me dis que le confinement, peut-être qu'il aura lieu le 11 ou peut-être pas. Parce que le gouvernement a peur, forcément, parce qu'on est quand même pas mal à être contre ce gouvernement, à nous battre contre ce gouvernement, à faire des pétitions contre ce gouvernement. On est quand même pas mal à voir tout ce que le gouvernement fait dans notre dos malgré ce confinement. Non, mais on est confinés, mais certains d'entre nous ne sommes pas idiots. Hein? On sait bien ce qui se passe. Hein? Alors vous faites partie de quel clan? Vous êtes encore en attendant que le gouvernement il vous trouve une solution? Ou est-ce que vous avez décidé de trouver la solution vous-même? Je vous le demande. Posez-vous la question. Où en êtes-vous par rapport à vous-même? Où en êtes-vous? Allez, très bonne journée à vous. Et n'oubliez pas que quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, moi, pour moi, je vous aime de tout mon cœur. Et je vous envoie tout le bonheur du monde et je vous envoie surtout la lumière, vous voyez, le soleil, la lumière, je vous l'envoie.